Bon, bah ça, on a du positif. Bon, on a eu deux généraux assez suicidaires que j'ai menés au combat, je vais pas le cacher. On a réussi à les battre. À battre comme une armée qui était plus forte que nous sur le papier. Yujina va débarquer ici pour foutre des claques. Je résiste pas. Ça va être bien aussi, ça. Et nous, bon, là, on va peut-être perdre le port, mais c'est pour la bonne cause, on va dire. Au moins, ça les occupe. Alors, au niveau des marchés rapides. Alors, accès militaire pour qui? T'es qui, toi? Ah, t'es tout dans le nord, donc t'es un descendant d'Anne Sui, si je comprends bien. T'es en bon terme. Il voudra jamais abdiquer, lui. À moins que... Oh! Eh, moins 44... Moins 44, ça peut se tenter, en vrai. Si nous n'avons pas le choix. Alors, si on... Ah, punaise, qu'est-ce qu'elle me fait, ma souris? Eh, moins 44, si on continue à lui foutre des roustes, ça va pas lui plaire. Donc, si on arrive à gagner comme ça, c'est un moyen de victoire. Hein. Je suis désolé, l'abdication, que ça plaise aux gens ou pas, moi, je suis preneur de tous les moyens de victoire. Donc là, ce qu'on va faire pour cette seconde partie de VOD, on va continuer de foutre des claques au sud. On va espérer qu'au nord, on arrive à tenir. Il y a quand même des armées assez consistantes qui nous attendent. Ah, il y a que là aussi, on a une petite faiblesse entre guillemets avec le col ici. On va prier que nos alliés se tiennent bon ici ou qu'ils les occupent. On a quand même une garnison qui est assez correcte. Et en plus, c'est une bataille de col, j'en ai jamais fait pour vous dire depuis le début du jeu. Donc, pourquoi pas. Donc, s'ils passent par le col, tant pis, tant mieux pour nous, peut-être. On aura peut-être une chance de les repousser. Et là, on se rapproche de notre objectif. Donc, là, ce qu'on va déjà faire, on va reprendre l'attaque au sud avec notre impératrice. En plus, c'est une... bon, la garnison, elle a pris cher. Imaginez la victoire, et vous l'aurez. Ça nous revient. Voilà. De Le Jiaozi est sous notre contrôle intégral. Alors là, on a un problème de rébellion, mais je sais pas c'est lié à quoi. Donc là, on n'a pas de commerce. Ça, on va le dégager tout de suite. On va faire un temple confucéen. À quoi que ça nous fout dans la merde ce que je viens de faire. Chouette, 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 chouette. On va essayer de négocier avec Cao Cao, avec des items. Comment pouvez-vous servir l'empereur? Donc on va troquer ça, on va le troquer ça. Ça, on va le troquer. On va essayer de lui réclamer de l'argent, on va servir nos items pour nous en sortir. 70 000, si je te demande 5 000. Vas-y, let's go plus. Alors, 18 500. 18 000 tout court, ça donnerait combien? 17 900. 17 850. 17 800. Excellent. Pour 4 items. Cela augure de bonnes choses pour notre avenir. Que pourriez-vous bien avoir à dire à l'empereur? Bon. Là, ça c'est fait. Et eux 3, ils vont rester en défense où ils sont. Va nous laisser un peu de temps pour refaire ici. Et on va juste passer le tour. Alors je vais voir ce que je peux faire comme prochaine réforme intéressante. J'aimerais essayer du truc économique. Influence commerciale, non. Industrie, pourquoi pas. Ah bah ça, c'est pas les meilleures, forcément les meilleures, Loubou, mais elles sont de qualité. Disons que ça comme ça. C'est vrai que j'ai très peu développé l'arbre vert, j'avoue.
Mais c'est vrai que débloquer le truc de corruption là, ça me mettrait bien, mais je n'aurais pas l'effet tout de suite. Si, si, c'est le meilleur, tu peux pas avoir mieux, on va tomber sur un truc unique. Bon, ça c'est dit. Entretien des bâtiments, moins 25%. J'ai combien en entretien de bâtiments? Ah oui, j'ai quand même pas mal de thunes. Bon, peut-être que l'entretien des bâtiments, ça peut être une solution. Ouais, c'est ça, Dubel. Replie-toi, t'as raison. Avec une armée, on va remonter à Changsha. Ah, on peut pas se replier. Ok, donc l'armée va être en deux parties. Il y aura la garnison derrière avec leur cavalerie. Attention. Leur armée a bien souffert à l'avant, mais c'est là, ce qui me fait peur, c'est l'armée de renfort. Putain, ils viennent de derrière. Bien sûr, bien sûr. Bref, bon, on va se débrouiller. Trébuchet prêt, sire. On a des tours, tu me diras. Hop, hop. On va mettre des pieux comme ça. On va tenter éviter. On va essayer de s'encercler comme on peut. Voilà, ça c'est fait. Les lanciers, vous allez rester là. Toi, tu vas venir ici. Les archers montés, vous allez vous mettre là. Toute ma cave, alors il y a juste quoi? Ces trois-là, j'ai laissé au centre et j'ai planqué toute ma cave de choc pour faire une intervention. Donc là, la première armée, ça devrait aller. C'est juste l'armée de secondaire qui me fait un peu peur. Ils vont tenter de se rassembler, c'est ça? Là, il faudrait que mon avant-garde, il s'occupe du stratège adverse pour se refaire un peu de vie. Voilà, on va commencer comme ça. Toi, alors. Toi, tu vas t'occuper de lui comme ça. Bon, là, déjà, le stratège, il est en bonne position. Il est, voilà, il est remonté à 10K, au moins ça c'est fait. Alors, ils ont mis une tour là-bas, tu m'étonnes. Ils ont quoi? C'est de l'archer monté classique, ça? Alors, attention là. Voilà. On va les charger ici. Allez. Me feriez-vous l'honneur? Voilà, ça calme ici. De mourir. Vous impressionnez, mais savez-vous gagner? Sors de là, sors de là. Ça c'est bien, ici elle est en train de gagner. Vous essayez au moins? Allez! Oh, c'est amusant! Vraiment très amusant! Préparez-vous! Ah oui, bah oui, si vous laissez intercepter aussi les mecs, on va y arriver, c'est sûr. Il semble ne plus en pouvoir! Allez, la sentinelle qui a regagné, ça c'est bien. L'heure est venue. Aux armes. Pressez-vous.
On va s'occuper de ces arbalétriers ici. Encore une unité qui flanche. Les guerriers ennemis dégarpissent. L'heure est venue. Ah, il y a une unité qui est en train de flancher là, c'est bien. Par contre, toi tu vas sortir de là, toi tu vas me charger ici. Là, on va aller chercher dans le dos. Tu sais quoi, je vais tenter d'aller chercher la commandante adverse. Au moins, on serait tranquille. On pourrait gagner un avantage au moral en tuant leur général. Voilà, là c'est fait. Là, on va aller chercher les résidus de l'armée. Nos catafractaires sont toujours en embuscade. Ça, c'est plutôt cool. Ça fera une force d'intervention en cas de problème. Ah, la confrontation est... Ah, qui c'est qui a réussi à faire tomber l'autre? Quoi, tu veux te battre? T'as un problème? Bon, là, ça va tomber, logiquement. Allez. Attention ici. Bon bah ok, ça c'est fait. Ils sont en train de rétamer mes pauvres archers là. Ok, le commandant ennemi tombé, ça c'est bien. Ok, c'est bien, il se pointe vers moi. Toi, tu vas venir là. Oh, ils ont trouvé mes cataphracts, sérieusement. Bizarrement, ils les trouvent, hein. Je dis ça, je dis rien. On va commencer à changer de position. Bon, on va aller tenter d'achever les arbalétriers ici. Alors, toi, tu vas me tirer là. Toi, tu vas me tirer là. Toi, tu vas me tirer là. Bon, c'est bien. Là, on est en train de moissonner dans le dos. C'est cool. Je vais sacrifier mes deux archers montés, tant pis. Par contre, j'essaie de redonner de la vie à... Ah non, c'est pas un truc de vie, ça. Je me suis planté, j'ai rien dit. Petite erreur de vue. C'est un peu mal foutu, des fois, les logos avec les mods. Pourquoi il est au corps à corps, celui-là? Non, mais... Vous êtes gentils, les gars, des fois, mais vous êtes fatigants. Les archers montés, ça, c'est ça? Ouais. Bon, si c'est que des archers montés, ça va. Aux armes! Le phénix s'élève! En garde à vous! Voilà, ça va en calmer quelques-uns. On va aussi envoyer elle, comme ça tout le monde sera content. Cataphractaire, préparez-vous! Vas-y, vise-moi ça, toi. Toi, vise-moi ça aussi. Guerriers ennemis dégarpissent. Bon là c'est bien, les cataphractaires s'en sortent dans la forêt, c'est le bazar. L'heure est venue. Oh là là, notre avant-garde est en train de monter en puissance, c'est plutôt bien ça. Bon, là ils sont englués, on va essayer de faire une charge dans le dos. Attends, c'est quoi ça? Capitaine d'infanterie armée de Dao, c'est quoi ça? Ça va être une... C'est de l'infanterie lourde? Oh, la belle charge ici.
Allez, on va venir aider nos arbalétriers qui sont en grande difficulté. Allez, sortez, sortez. Oh, là, il y a un boulet de démolition qui va s'abattre sur le deuxième capitaine. Ouais, ça va. The Ocean s'en sort une extremis. Regardez-les s'enfuir. Là, ça a été le carnage aussi. Eh bah putain, ça n'a pas été évident. Hein. Le problème, c'est que l'armée de garnison qui venait en plus, ça a mis un petit peu de brin dans les opérations. Bon, là, on a fait pas mal de dégâts, logiquement. On va éviter qu'ils se reforment. C'est de la milice, mais bon, c'est quand même chiant. Quoi, c'est quoi ça? 4 gardes lanciers, c'est inutile. Les deux là, c'est inutile. Donc déjà, les gardes lanciers, on s'en soucie plus. Le capitaine, c'est un peu pénible. Bon, tout le monde aura fait le boulot. Hein. On a perdu un archer monté dans l'affaire, mais je pense qu'à un moment, je vais devoir les remplacer. Hein. Les archers montés, c'était bien un moment, mais là... Au vu de la guerre proposée par Gongsunzan, ça picote. Très très bien. Par contre là je vais prendre... Alors on va voir ce que ça va donner en pognon. Ah. Une planification minutieuse assure la victoire. C'est quoi ça? On va libérer. Relâchez-les. On va reconstituer 6%, je le prends. Ok, il n'y a qu'une armée qui se pointe. Il y a qui? Il y a elle. Putain, c'est que des vieux. Enfin, désolé, hein, mais 65... Bah quoi, 41, ça va, en fait, j'ai rien dit. Elle a pas mal d'expertise, hein. On va tenter de se défendre. On va essayer d'éliminer plus d'unités. Ils n'ont pas d'unité d'élite. Donc ça, c'est un avantage, mais... Ouais, on va le tenter, allez. Notre poigne de fer assurera la paix en Chine. Bien parlé. Montrons-nous dignes de ces mots. Si la ville tombe, des temps durs se préparent. Ouais, il y a un petit côté de ressemblance, effectivement, Loubou. Bon, par contre, on est dans la merde, on va pas se le cacher. Ah, c'est une ville comme ça. Oh, je déteste les villes de ce type. Si je regroupe tout le monde au point de victoire, ils pourront passer par où? Par là. Je peux pas défendre par porte ici, c'est trop dangereux. Voilà, on va faire comme ça. Donc, ok. Je vais mettre tout le monde là au centre. Ça donne quoi? Bonus ligne de front. Et ça donne ces unités donnent du moral en plus. Donc ça tombe bien. Si on peut donner des petits buffs de morale par-ci, par-là, ça pourrait être cool, même si c'est pas grand-chose. On va mettre du feu ici, on va mettre du feu là, on va mettre une barrière là. Il me reste encore une unité de capitaine en réserve. Et si ça peut encourager les alliés, c'est cool aussi. En vrai, il faudrait alors commencer par taper... Zhang Ji me fait peur. Hein.
Il me fait très peur, Anse. Cette sentinelle de légende, là. Ou alors... 54... Donc avec ces deux-là, je tente de faire quelque chose, quoi, mais... Il faut taper la commandante, alors. On va commencer par ça. Oh, de la... Fureur de B. Ah, ce sont des arbalteries de Kongrong, ça. Ça va être compliqué, hein, on va pas se le cacher. Allez, on va essayer de s'en occuper d'elle déjà. Alors 208-24. Peut-être que si j'envoie. J'ai peut-être un plan là. Si je... Peut-être que mon avant-garde pourrait neutraliser la sienne. Hein. Elle a des attaques spéciales ou pas? Voilà, ça qui est dangereux, mais je pense qu'avec le stratège pas loin, ça va le calmer, ça va le reset à chaque fois, et ça pourrait nous donner du temps, gagner du temps. Et elle est en train de rééquilibrer la balance ici. Allez. Le pays vous implore de vous taire. Plus vite que ça. Voilà, ça fera toujours ça de prix. Et lui, et elle me met cher, hein. Bon là, la sentinelle est en train de gagner déjà, c'est plutôt un bon plan. Ouh, elle m'a défoncé. Incroyable! Vous parlez et combattez en même temps! Mourrez si vous refusez de vous rendre! Et maintenant tu te casses! Courez donc, vermine! J'aurai ma vengeance! Peut-être, mais pas aujourd'hui! Bon, toi tu. Il est en déroute pour de bon ou pas encore? Toi tu te replies. C'est quoi ça? Milice armée de Djihad, on va les charger là-dedans. Je sais que c'est pas le pli idéal, mais. Voilà, là c'est juste pour casser cette unité. Et nous on va aller chercher les Fureurs B.I. dans le dos. Ils aiment pas la cavalerie, donc ça tombe bien, on va s'en occuper. Allez, viens là toi. T'es bien amoché, je pense que je peux la battre. Occupe-toi de ceux-là là, qui se barrent. Wow, il est sérieux lui? Ah, je te dérange pas, Zang. Hey. C'est bien. Là, la fureur B.A. elle est tombée. Allez. On vient aider. On va flanquer là. Comme ça, on va s'en débarrasser. Oh, elle est en train de gagner. C'est bon signe, ça. Ok, les archers, là, ils ont craqué. C'est cool. Allez, tape là. Toi, flanque là. Avec des unités à l'âge, mais bon, elles sont perce armure, c'est ça qu'il faut se dire. Toi, tu viens là. C'est quoi? C'est quoi? C'est de l'archer de base. On va reculer, on va charger ici. Non, mais...
Allez les gars, je sais qu'il neige, mais à un moment, faut se bouger un peu le derrière là. Je perds toute ma cavalerie parce que Lya n'obéit pas. Allez. Putain, ils vont se faire encercler comme des cons. C'est pas normal. Allez, sortez de là, barrez-vous. Faites ce que vous voulez, mais barrez-vous. Putain. Sors de là, s'il te plaît. Zhang, il a pris tarif, là, c'est plutôt cool. Bon, eux aussi. Là, ça fait qu'on a une unité de menace en, une menace en moins ici. C'est quoi ça? Non, on va se replier. Viens m'aider là, toi. Bon, on va essayer de s'occuper de cette unité de cavalerie. Elle va tenter de sortir, mais par... pour aller chercher cet arbalétrier là-bas. Oh là là, il y a toujours deux unités qui sont bloquées, mais sans déconner, quoi. Allez, viens là, toi. Qu'est-ce que vous me faites, vous? Reculez. Là, il y a un autre archer en moins, c'est cool. Tu me diras, il y a une unité qui craque là. Allez les gars, là vous pouvez faire craquer cette unité, je suis désolé. Hein. On peut faire une charge massive ou pas là? Je sais qu'il neige, hein. J'ai bien conscience qu'il neige, mais bon, c'est pas une raison que... À un moment ça doit craquer quoi. Ouais, ok, ça va libérer de la pression ici, c'est cool. Attends, ils vont passer ou pas? Alors c'est quoi ça? Toi viens là, on va le flanquer comme ça. Normalement le régiment ne devrait pas faire le poids. Oh joli, ici il y a eu un gros craquage. Là c'est bien. Là c'est bien, on va reculer à nouveau. Vas-y, approche-toi. Approche-toi comme tu veux. Vas-y, on va se mettre en face. Attends. 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 C'est... Oh, des défenseurs impériaux. Ah oui, c'était pas au programme ça, monsieur. Voilà. Si eux ils chargent, tant mieux qu'ils rentrent dans le feu. Ils vont prendre du dégât. Donc toi tu me charges là. Oh là là, non, on va pas charger comme ça, on n'est pas fou non plus. Notre cavalerie là, elle est plutôt pas mal. Elle a pris cher, mais elle s'en sortira. Et là par contre, faut aller chercher les tireurs. Bon, Zhang, c'est un souvenir du passé. Ok, reste quoi à contrôler? Il reste ces unités là. Allez, let's go les gars. Allez me chercher ces fureurs de BA ici. Ah, ils sont bien encerclés là les cavaliers, vous faites moi les fiers. Hein. Oh, ils font très mal, c'est bien. Oh, il y a encore des défenseurs impériaux là, sérieux. On va charger dans le dos, bien sûr, pour essayer de libérer de la pression. Putain, c'est tellement chiant la neige. On va reculer, c'est un lancier là derrière, attention. Ah, là on peut charger. Ça c'est plutôt cool. Charge là-dedans, toi. C'est quoi là, qu'on engage? Fureur BA, ils sont que 69, allez.
Viens par là, toi viens par là. Belle charge, on poursuit. Mamma mia, on va se reculer. Vous, vous allez taper dans le dos des défenseurs impériaux. C'est une bataille intense, hein, les gars, je veux pas vous le cacher. Toi, tu vas aller me chercher, vous allez me traquer ça. Bon, à un moment, les gars, faudrait peut-être pas abuser non plus. Voilà. Tu vas pas me dire que des archers vont triompher, faut peut-être pas déconner. Donc là, c'est gagné. Oh, là, il va y avoir un gros craquage. C'est gagné. Phew. Eh ben, c'était pas évident. À mon avis, je serais pas étonné qu'il nous aura la deuxième armée. Donc là, on va essayer de faire le plus de prisonniers possible. T'as des unités d'élite, quoi. Tranquille, défenseurs impériaux. Bon, c'est pas en garnison qu'on va trouver ça, tu me diras. À moins dans les grandes, les capitales de palais. Après, je pense pas qu'ils vont l'envoyer tout de suite. Bon, on sait jamais, mais bon. Par contre, là, s'il y a un général de capturé dans le tas, il faut l'exécuter. Ou l'employer, à la limite. Quand la justice triomphe, on festoie. On a capturé Damsai. Non, lui, on va l'exécuter. Il est trop dangereux. Et Damsai aussi. C'est quoi ça? Jian Shuanggu. Oh putain. Bon, on prend. On récupère. Ils me l'ont pas envoyé, donc ça, ça va. Pour l'instant. Il fallait t'accrocher nerveusement sur cette bataille. Parce que la neige, je sais que ça ralentit beaucoup, mais qu'est-ce que c'est chiant. Bon, c'est bien. Cao Cao est en train de pousser là contre Gongsunzan. Je vais la perdre. Tant pis, c'est le port du sud, ça, je m'en souviens. Mais t'inquiète pas, on va venir le récupérer tout de suite. Là, le problème, c'est qu'on va avoir on risque d'avoir une armée qui nous tombe dessus. Est-ce que je ne lèverais pas une armée dans la ville, tiens? Elle, c'est une sentinelle de niveau 5. Oui, préparez mes quartiers. On va faire un autre groupe d'intervention. Oh, des dragons d'Onyx, ça, je vais les garder par contre. Pour le moment, je garde ce régiment de dragons d'Onyx. Il peut nous servir. Alors, t'as 5 niveaux à passer. Alors, t'étais bâti comment? T'as ténacité de l'acier de base, c'est plutôt cool. Je vais te partir de ce côté-là avec résolution inébranlable. Et je vais te rajouter ça pour la ruse aussi. Ça, c'est très bien. 103, je vais te rajouter ça. T'as combien d'armure? 20, tu vas passer à 30. Partisan. Bof. Un geste mal avisé. On va finir l'armée direct. Bah, alors, attends. Ouais, c'est vrai qu'on peut la finir là. Je pourrais revenir en plus derrière. Oh, allez, en plus, elle est juste derrière l'armée, comme tu regardes. Imaginez la victoire, et vous l'aurez. Laissez partir les détenus. On rentre. Appelez les marchands. Donc là, on va avoir deux. Il y a une nouvelle armée qui va spawner. Donc là, ça va Bachi. On peut la tenir avec le peu de force qu'on a. Et là, je vais essayer de m'emparer de l'outil de Shanyong. À l'attaque.
La ruse triomphe de la force brute. Ma passion est exaltée. Oh, on a toute l'armée niveau 7 ici. C'est une excellente chose. Résolution inébranlable, je prends. Et toi? Allez, rugissement pour le debuff. Ok, donc là, maintenant, il nous faut du pognon. Alors, est-ce que l'entretien des bâtiments, il était à combien, on avait dit un moment? 2700, ouais. Alors, attends, toi. Ah, ça, c'est bâtard comme truc. Mais je vais voir sa situation avant de faire mon truc. Que voulez-vous? Il est très pauvre en bouffe. En vrai, lui faire le coup de la bouffe en moins, on peut le mettre très mal, quoi. Vas-y, on va faire ça. 500, ça vaut le coup, je pense. Ça, on va le diffamer aussi. Peut-être qu'il y a d'autres qui vont lui tomber dessus. On va tout de suite faire plus de reconstitution dans la province du Jiaozi. Portée de campagne pour l'armée, 10% pour l'armée de Mayunlu, je prends. Et alors toi, Janning, on va le faire ça. C'est deux bâtiments en plus et un coup en moins pour 5 tours. Et la technologie. Alors notre impératrice a pris un nouveau rang. Tiens, est-ce qu'elle est mariée notre impératrice? Je sais plus. Ouais, elle est mariée à Shangui. Ils sont de la même génération, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, l'armée s'est terminée. Alors, la technologie. Là, j'ai tellement envie d'aller chercher ça d'un autre côté. Et ça me débloque les trucs d'épices et de soie à fond. Hein. Ah, je vais prendre ça. Je veux débloquer les trucs là pour être tranquille. Normalement, j'ai tout. Ouais, j'ai que ça à faire. On regagne un petit peu d'argent comme ça, c'est cool. Saopi. Ah, pour le moment, ça va être, ça va pas être possible. Ramenez l'unité. Eugene, il a débarqué là ou pas? Ah, il a débarqué. Retournez à vos postes. Il est temps de nous faire entendre. Bon, on nous annonce une défaite écrasante, ok. On va l'assiéger. Frappons ensemble. Qui ramène des renforts, ça m'a comme ça, ça a occupé. Tsaopi, je peux te faire passer par où? Je vais te mettre là en attendant. Elle va être toute seule au-dessus de ça, m'ennuie un peu ça. Une avant-garde de niveau 1, c'est un peu court. Toi, tu me plais bien, même si tu t'entends pas avec. T'avais quoi comme équipement? Oh, t'avais un bon équipement, toi. Voilà, un petit peu plus de puissance ici. Si jamais il y a une force qui arrive. Restez ferme. Bon, pour moi, ce n'est pas le cas. On pourrait encore faire des trucs aussi à un moment. On a pas mal de bouffe. Dans la grande ville, on va éviter. Attends. Il a quoi là-dedans? Tu vas voir qu'il a des unités d'élite. En fait, il a de la masse, mais je pense que s'il sort, on pourrait peut-être s'en occuper. Je vais essayer de faire cette stratégie-là. Mayunlu. La vertu a gagné en ce jour. Ça nous revient de droit. Voilà, Yuzhang, c'est à nous. Ça, je vais le démolir. Avec l'armée de Tanyan, je vais remonter rapidement au port de Changsha. En marche forcée, je peux aller jusqu'où à peu près? Oh, j'aurai une embuscade à fond, tu me diras. Et pendant ce temps, Machao, tu continues de remonter en vitesse grand V ici. Quand
Donc là, il reste qu'une petite poche de résistance à bas et on sera, tout le monde sera content. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Un port de pêche. Ça donnera un peu plus d'argent. Voilà. Déjà, ça donne un peu plus de pognon. C'est cool. Ah, ils se reculent. Ok, c'est bien. Bah, qui recule ? Réserve détruite pour Diaoshan. Merde. Une nouvelle arme exquise, une arme raffinée. Alors on va regarder un petit peu ce qu'on a eu. Non, je vais pas lui mettre ça quand même. Je sais que c'est puissant, mais... Parce que là, je perds en expertise, c'est ça? Si je fais ça. Je pense que c'est plus pour un commandant, genre d'arme. Ça donne beaucoup d'autorité. Bah, Yuan Shu. En vrai, lui, ça lui irait bien, ce genre d'arme, hein, même s'il est pas très puissant sur le papier, mais il fait envie quand même. Hein. Je vais me mettre là, je vais surveiller s'il n'y a rien ici. Non, il n'y a rien. Le piège est tendu. Ok, c'est pas mal. Alors, Machao. Attention. Repos. Dis-moi qu'il n'y a personne. Ce serait de la folie. Ouais, ouais, je sais, Loubou, pour ça, justement. Je vais faire gaffe quand même. Le ciel a récompensé notre faute. Et je vais tenter un petit truc, là. On a récupéré Danyang, justement. Après, là, ce qui m'ennuie, c'est que... Bah, c'est... En fait, là, ce que j'aimerais faire, c'est échanger la scierie de Luoyang contre la mine de sel de Danyang. Comme ça, je pourrais peut-être redéployer mes armées plus facilement, tu vois. Et je vais essayer quand même, hein, mais... Continuez. Alors, tu me contestes Danyang. Alors, commanderie contestée. Danyang. Admettons, je te demande... La... Alors, Luoyang. Luoyang. Je sais pas si je peux essayer. Ah, je peux pas. Il me faut... Ah, c'est con, j'aurais pu faire une tête de pont là-bas direct. Salut Marvin, bienvenue à toi. Bienvenue dans une guerre totale en Chine. On va aller chercher le port de Changsha pour être tranquille ici. Alors, l'impératrice, t'as deux possibilités. Ouais, je pensais, j'ai tenté quand même, Loubou, ça coûtait rien d'essayer, tu sais. Ah, j'ai envoyé l'impératrice là. Bon, il y a du monde aussi, d'accord. Là, on va laisser crever de faim. Voilà, on va se mettre là. On va essayer de taper la commanderie de Yulin comme ça, on sera bien. En termes d'autres armées, alors Yujin, il en est où lui? Toujours défaite de... Là, ça passe à défaite de justesse. Bon, on va les laisser crever petit à petit, on s'en fiche. Les trois du Nord, là, les trois fantastiques, bon, même s'ils sont quatre de base, eux, ils ont fait le boulot. Et par là, donc on a réussi à stabiliser notre public. Ok. Bon, on va laisser comme ça en attendant.
Là, on touche à rien, là, on touche à rien. Mayunlu, t'es où? Ah, tu peux foncer directement là, ça serait cool. Parfait. Là, on est en train de rouler sur Liu Bei et le royaume de Yan, c'est cool. C'est la fête, buvons. C'est pour nos efforts. Ok, ça continue. Et toi, bientôt le port, là, ce sera bon. Et là, on n'aura plus de menace, grosse menace de Liu Bei, là, alors on parle. Alors toi, je vais te laisser là. Toi, tu vas rester là, Diaoshan. Bon. Alors, est-ce qu'il y en a un qui voudrait la paix dans l'histoire? Shishin, les deux veulent la paix, bizarrement. Tiens donc. Là, pour le moment, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de pitié. Ah, il y a une armée de Liu Bei qui se dirige vers nous. Son armée, là, elle ne fera pas le poids, même contre une de nos garnisons. Ah, vous commencez à être une plaie, vous, hein. Bon, là, c'est la deuxième armée, hein, tranquille. Ah, il a une sentinelle de niveau 7 quand même, attention. J'ai peur de sa sentinelle, hein. 56, c'est lui. Ah, elle a plus de vie, putain. On va essayer quand même, hein. Ah, il a beaucoup de caves, ok. Après, on a deux unités d'impérial, donc ça peut avoir son utilité. Allez, gérable cette bataille, il faut juste qu'on arrive à tuer les commandants et c'est gagné. Défenseurs de la terre, ils ont quoi, 150 de portée, ça va. Je vais me mettre là avec eux. Putain, je peux foutre de l'huile dans l'eau, ça c'est pas réaliste hein, quand même les gars. Une temps réserve là. Un dernier déployable d'ici, allez. Là, je vais mettre mes tireurs ensemble. En vrai, l'infanterie de Zan Majian, pardon, je vais y arriver. Ils peuvent servir contre les héros. Hein. Je suis en train d'y réfléchir. Je les ai vus déboîter un héros tout à l'heure. C'était plutôt pas dégueulasse, hein. Alors, les cavaliers là, par contre, je vais le faire sortir par ici. Ouais, c'est vrai que les archers, ça manquerait juste deux archers, ça suffirait dans l'armée, honnêtement. Bon, déjà, là, le but, ça va être d'envoyer l'avant-garde sur le stratège. Mais... voilà, on l'envoie tout seul, il va s'en occuper, c'est juste pour qu'il refasse sa life. Alors s'il change de position les trèbles. Vous regretterez de m'avoir tenu tête. Je vous ferai payer ces insultes. Bon là il va s'en occuper tranquillou. Alors, je sais pas ce que fait cette cavalerie, mais bon, pourquoi pas.
Allez, let's go. Ténacité de la scie là-dessus. Le stratège doit se faire démolir. Je veux dire que c'est qu'une arme argent. Si c'était une arme d'or, là, il n'aurait aucune chance. Quoi ? Le combat est fini. Alors, c'est quoi qui a pris dans le tas ? Ouais, ils ont pas pris grand-chose. Oh, j'ai laissé une unité de garde impériale en première ligne, mais je suis un tocard. Courez, 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 courez. Voilà. C'est parfait. La seconde, la sentinelle, là, la combien ? 22K. Ouais. Je vais tenter. Ah, c'est Gonsun Zul lui-même. On va le tenter de l'abattre. Toi, tu vas venir là. Bon, on risque de perdre une unité de lourde là. Ça me fait chier, ça, mon inattention. Ça pourrait me coûter cher. Mais j'essaie de ruiner un peu le second général. Viens là, toi. Écumez de rage ! Au garde à vous ! Voilà, hop. Je comprends votre besoin de repos. Si la guerre se gagnait avec des bons mots. Elle va clamser, tu vois. Mais je veux juste qu'elle l'affaiblisse au maximum. Au moins, ce sera déjà une bonne chose. 12K, allez. Préparez-vous. C'est bon. On se casse. L'histoire n'oubliera pas votre infamie. Là, il est à pied, donc on peut... Justement, en faisant ça, on le fait exprès, en fait. Là, pour... En fait, quand on rompt un duel, il y a une petite astuce à savoir... C'est que, ben... Ah bah tiens, il leur déroule justement en parlant de ça. Si on l'a bas, on peut se mettre très bien là. Allez, venez vous empaler. Préparez-vous à l'inéluctable. Bla bla bla. Préparez-vous. Prêt. Toi, on va vite te choper. Si on a bas contre Sunzu, on peut se mettre très bien, quoi. Ma cavalerie, je l'ai complètement oublié. Oh là là, putain, je suis pas concentré. Hein. Sortez de là, sortez-vous de là, les mecs. Vas-y, abat contre Sun Tzu, qu'on soit tranquille. Allez, vas-y. Ouf, c'était pas lui que je visais, mais bon. Voilà, Gonsun Zul tombé, c'est fait. Là, le moral, ils l'ont dans les chaussettes. Oh, là, c'est bien joué, on est tranquille. Donc là, on va pouvoir revenir aider un peu. On va essayer de s'occuper de ces tireurs ici. Et encore, c'est ce groupe de défenseurs de la terre qu'on a zappé. Des fois, il faut savoir sacrifier ses généraux. Hein. Même si c'est pas les plus puissants. Voilà. 45 archers qui tombent, c'est toujours ça de prix. Allez, viens là, toi. Là, on va encercler leur commandant et on va l'abattre. Il me lâche pas là-bas, j'avais oublié cette partie de l'armée. Voilà, ça dégage. Courez, courez. On va revenir ici. Détruisez-les. Épée. Suce un ennemi. Parez.
Oh, ils sont en train de prendre tarif ici, c'est bien. Aïe, 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 la fond... il y a les groupes armés de H, tu me diras, c'est normal. Allez, vas-y. Ouh, joli. Très joli coup. Allez, allez, on va perdre notre deuxième général. Il faut ramener du renfort là, venez là vous. Oh, il y a une unité qui a craqué, ça c'est bien. Toi, viens là, va me chercher ici. Putain, les cerveaux d'état de répétition, c'est une horreur. Je comprends pourquoi on les recommande contre les... contre les héros, c'est des cerveaux d'état de répétition. Allez, occupez-vous d'elle. Enfin, d'eux. Toi, viens là. Mais il n'y a rien qui va aujourd'hui, merde. Oh, on se réveille là. Donc là, il reste encore une petite arbre d'étrier à répétition. Il reste un peu de cave. Voilà, bien joué dans le dos. Ça, c'est très bien. Là, là on a terminé la deuxième, les deux tiers de l'armée. Il reste encore ce tiers-là qui arrive. On va reculer. Par contre, si on capture Gonsunzu, là on l'exécute. Hein. Là on fait pas dans la demi-mesure. Il reste quoi? Ah, c'est les protecteurs des cieux de ce côté-là. Oh, quelle horreur. On va tenter de faire le tour quand même avec eux. Il reste une petite cave ici. Je pense que le moyen de battre les protecteurs des cieux avec l'armée qu'on a, c'est l'infanterie des paires de mains. C'est la meilleure source de combat qu'on a. On va se soigner. La cavalerie armée de sabre est fraîche. Je vais tenter de les piéger. C'est de la milice armée de sabre en premier, ça devrait aller logiquement. Non, non, vous mettez pas comme ça les gars, vous mettez pas comme ça. Pas comme ça Zinedine. Ouh, là il y a un beau carnage. Ok, là il y a deux unités qui sont disparues. Là on va absorber la charge. Oh génial, là ils sont tous en train de craquer au moral, c'est gagné. Eh bah putain, ça a été compliqué. Hein ? Donc là on va aller chercher les protecteurs des cieux, je veux pas qu'ils se reforment. La milice armée de GC c'est mort. Bon, là c'est plié, là c'est plié. Il reste combien de défenseurs? 6 défenseurs, ça, on les aura pas, tant pis. La vertu a gagné en ce jour. Nous on va libérer. Laissez partir on les détenus. On va reprendre. Allez hop. Libérez-les tous. Dommage, on n'a pas capturé le chef, mais on lui a fait coûter une bonne défaite, ça c'est cool.
Yuan Shizu est majeur. On a encore une arme raffinée. On va tout de suite. Alors, avant de terminer cette seconde VOD, on va récupérer ça. Une planification minutieuse assure la victoire. Cela répond okay à nos besoins. On récupère tous nos terres petit à petit. On fait des opérations en conquête. Ah, je l'avais pas fini lui. Ah bah attends. Attends toi. Coucou, c'est le voisin. Pour la justice. C'est la fête. Buvons. Il serait injuste de voilà graver leur disgrâce. Bon. Ah, ça commence à... Ça, on commence à s'en tirer, là, un petit peu, contre... Contre le royaume de Yan, Sao qui est encore dans notre poche. Pour combien de temps, on sait pas, mais on va essayer d'en profiter. Ce qu'on va faire, on va s'arrêter pour cette seconde VOT qui a été assez mouvementée. On va pas se le dire, on va se le dire comme ça. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine YouTube pour la suite de nos aventures. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.